Madame, Monsieur, bonsoir depuis Studio 4, la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. Merci d'être branché. Nan mon ça pour suivre un programme dans langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info, quelques grands points, cap dominé actualité. Actualité concernant pays d'Haïti, yon premier contingent 400 policiers pays Kenya arrivé jeudi mardi 25 juin 2024 là dans capitale haïtienne dans Port-au-Prince dans cadre mission multinationale pour appui sécurité en Haïti. Nan Kenya, président William Ruto réagit devant gros manifestation qui gagne dans pays et qui la cause la mort 5 moun, spécialement mouvement côté peuple souverain entré dans parlement, mettait du feu pour protester contre yon loi sous finance. Et puis fondateur WikiLeaks Julian Assange qui quittait jodi à Royaume-Uni joignit un accord avec gouvernement américain pour le plaider coupable dans l'idée pour joindre libération demain mercredi devant un tribunal dans l'île Marianne dans région Pacifique là. Et oui, actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la capitale, la Port-au-Prince, qui recevra aujourd'hui un premier contingent, environ 400 policiers qui sont dans le pays Kenya, dans le cadre de mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Nous allons rejoindre un correspondant, Masado Vilme, qui est sur place. Il était environ 9h16, les avions Kenya Airways qui transportaient le premier groupe 400 policiers kenyans ont atterri sous piste à l'aéroport Toussaint Louverture. C'est le directeur général de la police nationale, Nomil Rameau, qui était venu recevoir. Dans le descente d'avion, nous étions capables de voir les policiers étrangers qui ont flotté bien haut drapeau pays. Tout de suite après, ils ont pris direction espace qui paraît pour loger force multinationale là, qui n'est pas loin de la direction générale de la police là. On a rappelé que c'est 2500 policiers qui sont sortis dans différents pays, qui ont gagné pour faire partie de la mission si là, Conseil des Nations Unies, lui-même, a approuvé dans le mois octobre 2023 passé. Dans un tweet, il fait sur compte X, le Premier ministre Gary Conille lui-même, lui salue la détermination du gouvernement kenyan dans l'accompagnement du pays d'Haïti dans le cadre de la lutte qui a mené contre le phénomène d'insécurité. Nous devons rappeler pour nous dire que les policiers kenyans, c'est eux-mêmes qui ont gagné pour mener et mission multinationale c'est là cap gagner pour venir dans pays pour aider la police nationale ensemble avec l'armée d'Haïti et combattre gang qui a rongé pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Masado Vilme pour VOA Créole. Merci Masado Vilme pour en pile monde 25 juin 2024 là c'est une date importante dans l'histoire pays d'Haïti parce que c'est premier et c'est dans date ça que premier contingent Kenya débarqué dans pays d'Haïti et nous pral gain réaction et réaction concernant et premier contingent ça nous pral rejoindre correspondant nous dans Port-au-Prince Renan Toussaint. En pile homme politique haïtien applaudi en Haïti rivé premier contingent policier kenyan yo environ 400 comme ça, mardi 25 juin 2024, qui vient aider l'Haïti rétablir sécurité avec la paix dans le pays. Parmi les ancien député Romain Musset. Si c'est force kenyan qui vient étirer nous dans ça que nous sommes là, nous souhaitons vous bienvenir. Mais dans le sens que nous avons appelé le gouvernement qui l'a, il faut profiter de la présence de force multinationale qui l'a. Pour que nous créions une stabilité dans le pays qui allait dans 15 ans, dans 20 ans, même 30 ans. Bon, bah, on a toujours dit politicien. Bataille pour changer Haïti. Bataille pour Haïti, Haïti. Dans la situation qu'il y a, c'est bataille pour Haïti. C'est bataille tout secteur dans la vie nationale. Là. C'est bataille nous-mêmes intellectuels, nous-mêmes cadres, nous-mêmes journalistes, c'est bataille par nous. Force qu'il a, pas venir tirer nous dans la situation nous. C'est une situation d'insécurité nous. Nous, comme haïtiens conséquents, nous devons utiliser la présence de force là pour nous structurer, gérer ça nous gérer. Bon côté Paul, ancien président d'Haïti, Jocelyn Brivère, dit que c'est un impératif. Haïtiens, notamment zone métropolitaine Port-au-Prince, tapent déploiement mission multinationale, soutien à sécurité en Haïti. Il est évident, les forces nationales de sécurité à elle seule, elle a résoudre le problème de sécurité. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas jamais raté une occasion pour me dire, dans telle situation, l'appui d'une assistance, mais une assistance internationale pour aider
les forces nationales de sécurité à rétablir cette sécurité indispensable à la relance des activités dans le pays est plus qu'indispensable. C'est un dossier n'a suivre Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint pour l'autre réaction encore concernant premier contingent ça qui arrivait dans Port-au-Prince dans pays d'Haïti dans cadre des MMS là, ça veut dire mission multinationale pour appui sécurité dans pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis qui était même trouvé dans New York. Jodi madi 25 juin ça, pays Kenya déployé un groupe 400 policiers en Haïti, parmi un effectif total de 1000 policiers kenyens que président William Ruto te promet dans contexte mission SIPO ak sécurité MSS là qui était approuvé par Conseil sécurité Nations Unies à travers résolution 2699 là. Pour organisation Komokuda qui était campé en quoi contre déploiement mission ça. Date jodia, c'est une date la honte pour pays d'Haïti, selon Daoud André, qui a la tête organisation Komokuda San Brooklyn, New York, qui t'est parlé dans le micro VOA Creole. C'est un lot jour honte que jodia est pour nous, pour pays nous, pour peuple haïtien, même gens avec 28 juillet 1915, même gens avec date 29 février 2004. Toujours que soldats étrangers pile sol pays. Et certainement pas quoi aucun haïtien qui ouait drapeau Kenya devant force étrangère yo cap descend avion avec zamyo nan main yo comme yon journée fierté. Qui est-ce qui responsable nous tomber dans jou ça? Eh bien c'est traite yo, c'est apatride yo, c'est tout ça yo qui t'est financé gang, qui t'est organisé gang, qui te collaboré avec États-Unis, avec CARICOM, pour nous te rentrer dans la logique ça, qui donc, Shaila, lui tomber sous dos, et Dragon 9 tête là, conseil présidentiel là, parce que chaque, nan yo, nan 9 membres ça yo, yo te accepté pour soldats Kenya yo débarqué, avant que Américain te accepté pour yote chita sous table. Nous dénoncer ça que fait Jodia, nous camper en solidarité avec population pays Kenya qui dans la rue journée Jodia. Nous voyons que et tout à l'heure là et parlement dans Kenya se prend du feu, population en campé, y a chanté William Ruto US Puppet, même j'ai avec Komokuda, y a chanté que yon popet pas capable président pays yo. Bon, côté parle Stéphane Dujarry, porte-parole secrétaire d'État des Nations Unies, t'es dit un point pour la presse jeudi à que résolution sous force support multinationale là très clair sous respect droit moun ak nécessité pour défendre droit moun. Nations Unies pral veiller sous ça et pral continuer contrôler question ça de très près. Secrétaire général là évidemment profondément concerné pour moun qui t'a blessé ou soit qui t'a mouri qui gen là des journalistes ak personnel médical sous violence ça yo que rapporté qui connecté avec manifestation dans la rue Nairobi dans pays Kenya. L'ONU très concerné tout concernant cas détention arbitraire que rapporté les encourager la police ak autorité ensemble ak force sécurité dans pays Kenya pour faire exercice démocratie et pour manifestant yo exprimer yo dans la paix. Daoud André dit que même le policier kenyan a commencé river en Haïti puis New York. Merci Valérie Saint-Louis tant que nous capable et ben Kenya très présent dans actualité a et ben c'est côté gain 5 moun qui mouri dans gros manifestation dans pays spécialement mouvement ça mouvement peuple souverain qui était entré dans parlement et mettait du feu pour protester contre une loi sous finance. Gentil Augustin Junior gain détail. Plusieurs manifestants kenyans mouri ak plusieurs dizaines d'autres blessés. Les policiers yo te louvri coup de zam sou yo après parlement te fin approuvé projet loi finance pour augmenter taxes dans pays a jodi mardi 25 juin 2024 là. Manifestants qui te fait dégâts te profité entrer en dedans parlement craser briser tout ça yo joine et mandé démission président William Ruto. You must go. I don't want him as my president. Moi pas vle li président moi même regrette moi te voté pour lui. Li doit aller. Nouveau projet loi finance là ou pas amender li. Nous rejeter li. Tout bagay, retirer li. L'argent li utilisé pour voyager, c'est l'argent économie. Ruto ou doit aller. Par force ou pas remen nous. Ou obligé aller par force. Dans scène chaotique,
manifestants yo accablé la police et puis yo te chassé yo nan yon tentative pour yo prendre parlement d'assaut. Ou te kawe flamme di fe kap sorti an dan parlement. Yon journaliste Waters compte au moins 5 cadavres manifestants devant parlement. Manifestation yo pas seulement nan Nairobi. Li déjà gagné nan 19 comtés sou 40 ki gagné nan pays ya. Manifestant ça qui sorti nan Mombasa te di. What you are seeing here, the residents of Mombasa count of this. Sa ou la, moun nan konte Mombasa te décidé que ou to dwe ale a pati kounye ya. Bagay yo mal de toute façon. Ki donc nou rejete loi finance lan quel que soit sa karive. Manifestant yo akize président William Ruto deske li trahi yo après li te gagné élection présidentielle là dans l'année 2022. Lè yo te promet, yo ta pral défend travail pov yo. Yo te promet, yo ta pral rejete catégoriquement nouveau projet loi finance gouvernement qui visait pour augmenter taxes et diminuer l'argent dette là. Mwen vle di gouvernement ça, nou te ba ou chimè pour entrer, kounya nou pral montre ou façon pour sorti. Parlement te approuvé projet loi finance lan qui mène li nan 3e étape lekti. Après législateur yo fin lil, prochaine étape là, c'est voyer projet loi finance lan bay président pour le siyen. Li ka voye jodi madi 25 juin ça, pays Kenya si déployé objection. Manifestant yo opposé à augmentation taxe dans yon pays, yo jugé qui déjà en bas yon crise la vie chè. Ça qui augmenté ko les manifestants yo, côté nou te ka wè di fe nan yon section nan building parlement, entre an dan li, image yo te montré débris nan différents chambres nan parlement. Morceau vite qui cassé, ak débris sous planche yo. La police te louvri katouche après gaz lacrymogène ak canon de l'eau te échoué pour disperser foule là. Au moins 5 moun mouri ak plusieurs dizaines d'autres blessés. Et kounya, en pile moun ap mande tout pour président William Ruto démissionner. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et tout à l'heure là, président William Ruto lui-même, il était réagi et il était parlé par rapport à toute gros manifestation ça et avec moun qui mouri, il dit que gon question de traite non question hein, nous va rejoindre Serge François Michel qui était tendu pour nous discours ça. Today, Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy. Manifestants étaient entrés dans le Parlement et boulés en pâté la dernière. Ruto dit, je dis en Kenya, vive en situation, l'ibadjom qu'on est en vent, qui s'est en attaque sous démocratie, sous règne la loi et sous institution et au cap défendre constitution. C'est une manifestation qui est à cap pacifique, côté peuple a exprimé droit fondamental, avec liberté pour faire rassemblement, manifester, planter piquette. Mais pendant citoyens qui respectaient la loi dans la République Kenya, tape faire autorité d'État autant des voyous, et un groupe criminel organisé a infiltré manifestation et détourné les. Président Ruto dit encore ça qui est pire regrettant. Attaque jodian sous l'ordre constitutionnel là, la cause des gens qui perdit la vie. En même temps, ils ont détruit propriété et violé caractère sacré institutionnel avec ça qui représentait souveraineté. Ruto continue pour dire, moi remercie agent sécurité noyo qui n'a travaillé jodian d'après avoir fait tout ça au capable pour défendre Kenya et peuple ya. C'est comme ça, mandé tout organe qui est responsable sécurité nationale pour yo mesi pour craser n'importe effort criminel dangereux qui a cherché mine sécurité et stabilité pays noir. Dans l'occasion ça, ambassade États-Unis dans la capitale pays Kenya, Nairobi, publié une note pour la presse qui dit nous avons une pile inquiétude, l'un témoin violence divers côtés dans le pays dans la dernière manifestation. Et nous sommes tous choqués devant ça, nous qui passait devant le Parlement Kenya. Nous respectons situation tragique côté des gens qui perdit la vie, avec l'autre qui blessé, les forces sécurité te servi à bon jambal. Pourquoi paix manifestation? Nous demandons tout des partis, mettez de l'eau dans le divin et nous encourager toute l'idée pour joindre une solution pacifique dans bon genre dialogue. C'était une note qui sortit dans l'ambassade des États-Unis dans le pays Kenya. Serge François Michel, VOA Creole. Donc c'était en gros situation dans le pays d'Haïti et avec une attention spéciale sur Kenya qui vive tout un moment difficile pendant que le voyait troupes dans le pays d'Haïti ou souvé au Akreol suivi un programme dans l'ancre haïtien.
Ou toujours sur VOA Creole, ou à suivre programme ça, un programme en langue créole haïtien. L'autre point dans l'actualité internationale là, c'est fondateur Wikileaks là, en parlant de Julian Assange, qui quittait Royaume-Uni jeudi à, li joignent un accord avec gouvernement américain pour le plaider coupable, dans l'idée pour joindre libération. Demain, mercredi à, l'abgain pour le paraître devant un tribunal dans l'île Marianne, dans le Pacifique là. Sandra Lemaire, gain détail. Fondateur Wikileaks, là, Julian Assange, quittait prison côté l'été fermé dans Londres et est sur route pour aller dans Saipan, dans Zile Mariana Noyo, côté l'école plaider coupable à un chef accusation. La justice États-Unis portait contre lui, côté yo accusé d'esculter comploté pour mettre main sous et puis publier documents secrets défense nationale des États-Unis. Assange, qui gagne 52 ans, pral probablement recevoir une peine prison 62 mois, qui c'est quantité de temps li déjà passé dans prison loin de là. Après ça, la pli pour tourner dans pays li Australie. Raison qui fait Assange à comparer devant tribunal Saipan, c'est parce que li pas d'accord pour voyager aux États-Unis. Le fini tribunal ça tout près Australie. D'après ça, avocat accusation yo fait connaître. Saipan, c'est capitale zile Mariana yo, qui c'est un territoire américain, une région ouest océan Pacifique là. Li gen même statut américain que zile Tanko Guam avec Porto Rico. Résident yo, c'est citoyen américain, mais yo pas qu'à voter dans l'élection présidentielle États-Unis. Stella Assange, madame, monsieur, et un avocat qui travaille à Cli depuis presque commencement bataille légale Lio, déclaré li content à mort, mais li toujours vexé que yo te kembe maril depuis longtemps comme ça. We will be seeking a pardon, obviously, but... Maintenant, Assange dit qu'il va demander un pardon parce que acceptation culpabilité pour accusation espionnage là, by go qui a sauté pour tout journaliste tout partout dans le monde là. Il a ajouté qu'il va lancer une campagne pour cotiser l'argent parce que vol pour aller Saipan depuis Londres et puis après ça, Australie pour coûter à peu près 520 000 dollars américains. C'est le gouvernement australien qui paye les frais. Madame Assange dit qu'il est content à mort, mais il n'y a qu'à sauter tout parce que n'importe qui bagaille est capable de passer. Il dit jusqu'à ce que tout bagaille finisse, il peut gagner qu'à sauter. Frère Assange, là, Gabriel Shipton, exprimé qu'il est content de tout. We're overjoyed, we're overwhelmed. Les familles Julian content à mort, nous accablés d'être que les libres enfin. N'a travaillé sous ça depuis longtemps et gagne des millions de monde tout partout dans le monde qui appuie Julian. Gouvernement australien joué un gros rôle tout dans dernier moment ça. Monsieur remercie tout moun Grande-Bretagne qui t'a appuyé le tout et lui dit yo pral boire bien à soir pour célébrer liberté Julian. En tant que ça a marqué fin travail légal Assange côté il était passé 5 ans dans une prison sécurité maximum dans pays Angleterre et puis 7 années caché dans ambassade Équateur dans Londres après publication paquet documents secrets américains sur site WikiLeaks là. États-Unis considéré Zaksa tant qu'une plus grosse violation sécurité dans l'histoire des États-Unis. Stella Assange dit Marie était soulagée lorsqu'il semblait que Yotap joigne ou entente pour qu'elle la Kylie. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité à Konya Pene, nous, dans la région et Middle East, là, on a parlé de Moyen-Orient, côté que force israélienne touye yon groupe famille chef Hamas, là, en parlant de Ismaël Haniyeh, nan moment yon bateau États-Unis pote assistance pour population Gaza. Jean-Robert Philippe, absurde pour nous de très près, ça a passé et l'autre bois, faut dire que ça a fait nan moment que États-Unis croient que gen yon façon diplomatique pour yon capable éviter que, eh ben, violence et gaye nan zone, surtout avec question Hezbollah qui est dans le Liban, Jean-Aubert. Oui, question diplomatique là, Jacques, c'est une question qui est aussi importante. En fait, c'est soi-même que l'autorité a gagné, surtout Israël a gagné, il est capable de jouer
yon la paix ou yon kapab yon solution avec, pour éviter un conflit avec Hamas. Mais Abdou tout, dans un moment ça, gen un rapport Nations Unies tout qui publié, qui rapporté gen presque 500 000 moun kap vivent dans le territoire Gaza qui paraît qui kapab fait face avec gros grand groupe qui moun pas chamou avant. Et c'est peut-être raison qui derrière et débarquement ça que les États-Unis fait dans zone là avec côté de porté 12 camions et assistance humanitaire pour la population Gaza. Yon bateau cargo militaire américain arrivé dans yon port flottant tout près du territoire Gaza dans moment bataille entre forces israéliennes avec militants Hamas a continué. Bateau a transporté assistance humanitaire pour la population Gaza. So right now you're located on the Trident Pier which is currently in place. Colonel de l'armée américaine Samuel Miller, commandant Task Force conjoint, qui était rencontré journaliste au Palais Goudi, pour qu'on est là, nous campions sous pont flottant Trident-Lan, qui est installé sur une plage en face d'une zone côté la guerre déroulée. Donc, c'est une zone la guerre. Sort, observez là, c'est bateau support logistique numéro 5 là, qui accosté et qui gagne 12 camions assistance humanitaire, qui peut le transférer dans l'autre camion pour aller joindre la population dans le territoire Gaza. Témoin était capable de constater la fumée qui t'a levé dans le ciel territoire Gaza pendant que toi t'as débarqué marchandise. It's not my first combat zone, although for many of my sailors it is. War is a terrible thing. I don't care where it is, I don't Capitaine care what Joel Stewart, commandant force navale là, parlait pour dire, c'est pas la première fois m'a voyagé dans une zone de combat. Même si pour un pile parmi l'autre matériau, c'est pour la première fois. La guerre, c'est un bagaille terrible. Quel que soit côté la déroulé, c'est pas problème, pam. La guerre, c'est destruction. C'est pas un bel bagaille. C'est un bagaille moins souhaité que mes patates douées j'en mouais encore. Travail nous, c'est aller dans la zone là, faire ça nous doit faire, même si la zone est difficile. Matelot nous, tant que moi dis déjà, marin yo, l'autre employé yo, soldat yo, yo tout campé derrière mission à cause du réalisé, y a fait une différence pour la population Gaza. Pendant cette tension entre Israël avec Hezbollah pour augmenter, Israël a annoncé la passée sur un cabinet là pour essayer de résoudre le conflit avec le groupe Hezbollah qui est dans le Liban et que l'Iran a supporté. Conseil de sécurité nationale israélien Zaki Hanegbi fait qu'on ait préféré une solution diplomatique. Conseiller a ajouté, Israël a discuté avec officiels États-Unis sous possibilité pour mettre fin à une grosse opération militaire Israël a fait dans le territoire Gaza et qui est capable de permettre de joindre un arrangement avec le groupe Hezbollah. Joseph Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Aubert Philippe pour suivre Rendez-vous Info. Nous allons retourner dans le pays d'Haïti, côté gouvernement, célébrer et journée Madia, journée mondiale, fonction publique, dans un hôtel dans Pétionville, en présence de diverses personnalités dans la société. Premier ministre Gary Conille prend engagement dans l'occasion pour moderniser l'administration publique. Là, Yves Manuel, c'est correspondant dans la Port-au-Prince. C'est un baptême, une fonction publique renforcée en vue d'une administration de proximité et un accès inclusif aux services publics de qualité. Journée mondiale fonction publique la célébrée journée mardi 25 juin 2024 là en présence plusieurs personnalités qui sont dans divers secteurs de la vie nationale là. Coordonnateur OMRH là dans occasion circonstance là souligné contexte difficile célébration ça a déroulé à Nessa. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à chacun d'entre vous. Votre résilience et votre professionnalisme sont la pierre angulaire de notre administration publique. Il importe de le rappeler, l'administration publique est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et ses objectifs. Vous êtes de véritables héros de notre société, œuvrant souvent dans l'ombre, mais ô combien important, dans l'obligation qui est la nôtre d'offrir des services publics de qualité et de redonner confiance à la population. Marie-Chantal Dumé, qui représentait Premier ministre Gary Conille dans l'événement ça, considérait fonctionnaire comme pilier l'État. Situation socio-économique, acte politique, sa côté sécurité paysan, fait plusieurs agents fonction publique courir quitter paysan. Premier ministre prend engagement pour rétablir l'ordre pendant la redresser administration publique là. Chers fonctionnaires, animés par l'éthique du bien commun et le sens de l'intérêt général,
Vous êtes les piliers de l'État. Votre engagement, même dans les circonstances les plus ardues, témoigne de votre dévouement indéfectible envers notre nation. N'a pas rappelé Journée mondiale fonction publique là des institués dans l'année 2023 bon côté Assemblée générale l'ONU avec l'idée pour mettre en valeur rôle administration publique là dans développement communauté. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et qu'on y a nous pral dans département nos pays puis précisément dans Cap-Haïtien avec correspondant nous Gérard Maxino. Environ 500 jeunes participaient dans la première édition Congrès sur l'environnement que Cluster Saint-Raphaël a organisé dans Grand Prix sous thème Environnement, c'est bien commun nous. Esther Lof, Christine Deravine, une modérateur congrès, dit objectif yo, c'est continuer à expliquer jeunes importance environnement plus capable de protéger. Je dis à nous rassembler plusieurs jeunes qui sont dans plusieurs communautés différentes pour nous parler sur l'environnement et faire jeunes ça au porter action par eux dans causer environnement. Donc je dis à ça que nous disons, c'est nous tous à engager nous pour nous capable protéger l'environnement puis un avenir qui mieux. Étudiant en géographie, aménagement territoire, Jude Mania Bernardin qui t'a intervenu dans congrès fait connait genre de activité ça yo à permettre de sensibiliser les jeunes sur l'utilité environnement. Moi, là pour me capable participer et intervenir en baptême et l'environnement bien commun pour tous. Comment et pourquoi le protéger? C'est un thème qui est vraiment intéressant. En façon pour intéresser comment c'est initié, participants et compassion internationale, comment importance environnement gagne et pour tout ça au même devoir engager dans la protection de l'environnement. Louvez qui fizeme cap militer dans sensibilisation sur environnement. Déclaré, si moun yo doit protéger environnement yo pour yo toujours être en santé et puis joindre manger pour manger. Moi j'ai développé un thème c'est pour sensibiliser si moun yo pour yo connaître que son devoir pour capable protéger environnement. Donc yo doit protéger environnement parce que environnement ba yo manger, j'aimerais te dire avec si moun yo et yo doit protéger environnement parce que lorsque yo protéger environnement, ça permet que yo vivre en plus bonne santé. Donc c'est-à-dire son devoir que chaque petit monde pour capable poser des actions qui cap faciliter que environnement suspend dégradé dans façon que l'a dégradé au jour le jour en Haïti que j'étais fatra n'importe côté moi j'étais sensibilisé petit monde yo puis yo connaît que avec déchets plastiques yo gamban l'autre bagaille que yo capable faire yo capable recycler yo capable réutiliser pour capable permettre yo protéger environnement yo. Président commission organisation première édition congrès sur environnement Dudley Pierre quoi initiative ça pour aider jeunes yo connaît qui comportement yo doit gagner face à changement climatique yo. Un congrès qui réalisé dans objectif pour engager un ensemble de jeunes qui dans plusieurs centres de développement qui dans département Nord pour yo capable vinn des éco-citoyens éco-citoyennes pour yo capable protéger l'environnement puis yo capable préparer yo à changement climatique. Congrès ça li vle chaque jeune si la yo yo engagé yo pour yo protéger environnement. Initiateur au compte en pile parce que environ 500 jeunes qui étaient sortis dans plusieurs zones dans le département tant que Limonade, Cap-Haïtien, Dondon, Saint-Raphaël, Grand Rivière à Quartier-Morin te répondent présent dans le congrès là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino et puis bouillon boule en Europe, bouillon boule en Amérique là. D'abord grand pile monde qui a parlé la France mal qui pas réussi battre et en équipe la Pologne qui était très prenable. Et ben yo pas le Brésil mal tout qui campait devant Costa Rica qui pratiquement perdu. Et ben il fait 0-0. Donc on a rappelé France Pologne 1-1 puis la France qualifiée et puis gain Pays-Bas avec Autriche. Et ben gain Autriche calé Pays-Bas et 3-2 et puis dans moment on a parlé là, dans moment programme n'a fait là gain Angleterre avec Slovénie qui 0-0 et puis Danemark, Serbie 0-0. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci Hélène, merci Jean-Marc, merci et gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Belizère. Bonsoir et à demain. Mais ça, il y a un journal dans le pays Kenya rapporté. Des billets, ça me le dit. Il y a un journal, un média dans le pays Kenya. Mais qui ça que le dit sous rivé
400 officiers kenyans qui a rivé dans pays d'Haïti mardi ça qui c'est 25 juin 2024 là. Tendez bien. Et veut que chaque monde cap suive émission Calfo vérité. Tendez bien ça qui dit. Et nous pral li exactement ça que média dans pays Kenya ça dit et c'est de autorité, c'est de officier le gouvernement kenyan qui dit ça. D'après un journal dans pays Kenya, soldat qui a fait partie force multinationale et spécialement soldat kenya yo sadik en pile en bon haïtien nous connait ça ça veut dire l'indi que moun sa sadik en pile moun sa méchant moun sa pas rien dans moun sa mauvais c'est de l'autre façon que comme haïtien que nous ta capable dit les moun sadik yo dit que officier kenyan yo k'ap entrer là yo sadik en pile et yo pas fini ou yo arrêté bandi parce que c'est pas mission ça au gagné de préférence c'est touyer y a vinn touyer bandi soldat kenyan yo garanti président Kenya Williams Ruto que y a rivé voyez tout bandi yo dans pays sans chapeau journal pays Kenya rapoussi pour le dire officier kenyan yo dit que yo espéré dans zone côté bandi yo pas gagner innocent très bien yo dit yo espéré dans zone côté officier alors et bandi yo pas gagner innocent parce que soldat sa yo pas que pitié pour quel que soit sa yo joine sous yo avant soldat sa yo vini yo prend yon dernier formation combat contre criminel journal la rapoussi pour le dit c'est ak matériel dernier niveau yo habitué combat gros criminel à travers monde là yo pral traquer gang yo dans pays d'Haïti et pas oublier que Kenya selon ça qui dit dans Afrique de l'Ouest ligue une spécialité non comme si mener bataille contre question gang et yo te aidé plusieurs pays en Afrique parmi yo Mali nan goumé contre question gang nan pays ça veut dire Kenya malgré tout ça que Kenya a connu nan moment parce que gagné mouvement protestation qu'a fait nan pays Kenya à cause que président Williams Ruto augmenté taxes mais ça pas empêché que mais officier Kenya débarqué en Haïti et pendant période mouvement sa yo, n'apprend que ta ki plusieurs moun ki mouri et plusieurs l'autre ki blessé. Ça veut dire des natures, Kenyan yo, yo pa kon nan griyen dan. Selon ça que n'apprend. Et n'a dit que président pays Kenya William Ruto, monsieur te visité, an di base côté que officier sa yo tap entraîné. Yo organisé, yon ti cérémonie religieuse pou yo. Et yo béni drapeau Kenya. Et yo remet chaque officier yo, yon drapeau Kenya. Et président Kenya mandé que officier yo, officier Kenyan yo, et même le pays qui a voué soldat pour faire partie mission ça, que yo retourne en vie après durée mandat mission. Et officier Kenyan va garanti, y a tourné vivant après que yo pin mené mission en pays d'Haïti. Kilok jodi an, ça que pour nous comprendre. C'est vrai, c'est triste que jodi an, pendant 30 l'année, nous prenons presque 10 missions étrangères pour question insécurité et problème insécurité pas jamais résoudre. Est-ce que c'est pral dernier fois que pays d'Haïti, pays de Saline, pral koné san rele mission étrangère en un pays ça nous t'a souhaité ça et n'a dit désir n'a dit clairement avec zami internet nous yo gagner CSPN que PM Kony a dirigé Carlos Hercule comme ministre justice Ramon Normil comme DG la police
inspecteur général la police là, yo a organisé là des réunions de haut niveau pour après-midi lundi 24 juin qui était 24 juin pour yo capable recevoir rivé officier kenyan yo. Et la police déjà mobilisée. La police commence à mettre pied dans quoi des bouquets dans tabar. Et PM Kony et président Edgar Leblanc fils, yo déjà a fait de moyens stratégie pour yo renforcer matériel, pour yo ben plus matériel avec DG Ramon Ormil. Qui ça va passer dans jouka vini la yo? Question mon a posé. Désir, m'a besoin de sou en forme, d'ailleurs qu'on va jamais en forme. Je sa ka passe dans pays d'Haïtien, li pa ka fait nous en forme. Mais comme c'est une obligation que nous baye tête nous, comme directeur d'opinion, comme journaliste, pour nous venir informer moun yo, désir, comment est-ce que mon frère? Ben, situation, on a nous été déjà un bon côté population. On a dit, yo, si la yo qui pratiquement passé un bon bout de temps, il a souffri. Semblait que vous prenez un ouf de soulagement, parce que c'est gros mobilisation. Bon côté la police, dans le pays d'Haïti, c'est pas, nous pas aller bon côté force multinationale là, tout simplement. Okay. Mais bon côté la police, qui continue dans le niveau payo, cap mener des opérations, cap faire des interventions musclées pour permettre que bandits, sans fois ni loi, qui dans le niveau capital pays, hein, lui veut comprendre que pays a pas pour eux, parce que son lot de gouvernance, gouvernance Ariel Henry a te bayo, libre terrain, te bayo, tout espace, que te opérer, faire ça ou les faire ça ou plutôt kidnapper, violer, détourner, tuer, on est dans le pays, eh bien, gouvernement Konina décidé pour mettre bandits dans l'un qui semblait à yo, mais retirer dans l'un côté, à kidnapper, violer, actuer, peuple haïtien. Parce que Gary Konina, dans un bal, il dit principale mission, c'est combattre l'insécurité et permettre que le pays a tourné sous la démocratique, que l'élection a organisé en dedans le pays, qui c'est une principale mission que le gouvernement de transition si là, gagne les personnes diverses dans le conseil, entendre sous ça. Pour eux-mêmes, avec mon gouvernement, Gary Konina, lui veut respecter l'accord 3 avril 2024 qui a été gagné, qui insère un ensemble de lois et principes qui ont été appliqués dans tête collée entre deux têtes de pouvoir, parce que Konina nous a parlé de un gouvernement bicéphale, parce que il gagne la présidence qui est représentée par le conseil présidentiel transition, qui gagne 9 membres là-dedans, mettait sous ensemble ministres qui constituaient des ministères avec un premier ministre qui était monté gouvernement, c'est là, les personnes. Président William Mouto, montré dans quel niveau, tel confiant, des poulets n'y ont qu'à débarquer dans le pays d'Haïti pour venir faire face avec terroristes, gangs criminels qui achetaient presque tout le pays pour l'argent comptant depuis des années que le peuple n'a pas qu'on a quitté ou doit adresser. Garçon et femme, actimoun, qui t'écrasé, la vie, qui t'a presque perdu la vie en bas violence gang, en dans le pays d'Haïti, pour aller soulager par présence policier n'y ont. Ça, c'est parole, président William Mouto, qui est écrit sous compte X. C'est sa président Kenya, William Ruto, li assuré, journée lundi 24 juin 2024, qui se passe là, en collaboration avec la communauté internationale là, et nous pral établi une stabilité durable dans le pays d'Haïti, et le promet chef de l'État, li visiter, et le dicté 24 juin 2024 là, et ça qui vient pour avec premier contingent, 400 policiers kenyans qui pral quitter le pays Kenya, pour, je ne m'a dit, 25 juin 2024 là, pour rentrer dans le pays d'Haïti. On nous dit que, et depuis dans l'après-midi, lundi 24 juin, les policiers ont été quittés le pays Kenya pour être pris en direction du pays d'Haïti. Et dans la minute que nous avons cherché l'information, ils ont dit qu'ils étaient presque, et pour au moins, qu'ils sont capables de faire une compagnie aérienne et qui sortit dans le pays Kenya et qui pratiquement embarqué pour rentrer dans le pays d'Haïti avec eux. Ils ont fait mention sur le pays d'Haïti, côté gang, ils ont occupé 80% de la capitale. C'est ça, président William Mouto dit. Et ils ont pas vite joué avec bandits sans foi ni loi. Les bandits ont commencé à casser, ça a rentré dans tout, ça a arrangé pour faire arrogance, continuer à faire arrogance, parce que les bêtes après mourir, les vins plus violents, les filles sont. Yon de chef gang, 400 maozo, que la police dans le pays d'Haïti était arrêté, était balle ou l'avion pour aller aux États-Unis d'Amérique. Quand elle était passée devant un procureur dans les États-Unis d'Amérique, il était accusé Jean-René Senatus, eh bien, sentence, yon, Jemine Jolie, l'État sorti, monsieur condamné à 35 ans de prison aux États-Unis. Blaise Fideson, et amis internautes, a dit, Negio, qui pratiquement a fait Zach en dedans pays, il faut que nous vivions qu'on est, que Zach n'a fait ou pas prêté impuni, yon jour d'après jeudi, n'a pas pour nous faire face avec sentence. Non. Dans le journal lundi 24 juin 2024, le Conseil présidentiel transition mettait nouveau secrétaire général intérimaire présidence là, Madame Marie Elisabeth Régine Joseph Abdad. Ensemble avec nouveau secrétaire général conseil ministériel Odilien Charles, c'est Mounsayo que conseil présidentiel transition arrivé installé.
président conseil et présidentiel transition, hein, monsieur Edgar Leblanc-Fils, féliciter de nouveau leader yo nan et réaffirmer ça au gain comme support que au côté avec conseil présidentiel transition hein, à travers choix ça au que conseil présidentiel transition arrive faire et yo voulait continuer encourager expérience dans administration publique hein, parce que vous faites quoi que situation paraît très difficile dans cas et Marie Elisabeth Regina Joseph Abdad qui t'a exprimé reconnaissance li bay en membre conseil présidentiel transition hein, et yo parce que li t'a choisi comme première femme secrétaire générale présidence Marie Elisabeth Regine Joseph Abdad et t'a exprimé li intention li ferme pour collaborer à conseil présidentiel transition à tout employé par les nationaux pour revitaliser notre institution si là en pile monter tout temps poser tête une question depuis José Pierre lui t'es dans l'espace là il y a un budget qui peut aller dans palais national qui ça budget ça arrive faire et ben en pile mon pour besoin rapport vous connaît qui ça José Pierre lui t'est fait dans niveau palais national. Pour qu'on y a, il y a charge lui-même pour prendre responsabilité ça, nouveau secrétaire général là, qui te baille, force sécurité par les nationales là, y a un gros hommage pour résistance féroce, y a été fait devant attaque répétée, que n'est examen t'a fait, et contre par les nationales, et bien, nouveau secrétaire général là, fait un point spécial pour le remercier le coordonnateur ISGPN, non, nous voulons parler de Vladimir Parizon pour le dévouement, et il était pratiquement gagné, à la leadership exemple qu'il était gagné, et il fait le possible pour qu'il y ait périmètre à parler national là et qui pas ka violé par bandi exam qui te entendre pour te prendre contrôle espace là. Quant à pour nouveau secrétaire général conseil ministre là monsieur Odilien Charles lui promet que la efficace dans travail lui concentré sur collaboration bon côté ensemble monde qui pral collaborer avec lui il dit c'est franc et puis tout employé calmeté sous responsabilité et monsieur Odilien gain plus passé 10 l'année expérience dans secrétariat général conseil ministre est-ce que libéral au moins montrer et expérience à auquel gagne libéral mettre en vigueur pour servir la république parce que la république en danger Blaise Peterson personne pas qu'attendre encore parce que situation paraît extrêmement difficile pour monde qui vivre en dedans pays a au moins qui a cherché un petit bagaille pendant monsieur Kenya a préparé pour venir dans pays d'Haïti. Eh bien, gagné un inspecteur général qui arrivait assassiné dans le pays Kenya. C'est des situations qui sont très difficiles, mais ça n'a pas empêché que M. Damio déplante on est quand même. Pour venir bailler bandit, mon épiation malgré nous, bandit a fait chelbert, ou dit après tant d'étrangers, puis tous les trois haïtiens, qu'on y a assez blanc ou calmage. Eh bien, M. Kenya dit, yo pas paix, yo pas besoin de paix, y a poté bourré pour venir frapper Green Vagabond. Green Vagabond qui pense aux chefs, Green Vagabond qui pense aux mettre pays, Green Vagabond qui pense aux mettre la terre. L'expédition, récréation, ça c'est fini, parce que la police mobilisée, à travers toute unité spécialisée, même genre, force l'armée d'Haïti, mobilisée pour marcher, prendre vagabond, barbecue dans courir, barbecue à demander entente, barbecue à demander négociation, ils auraient été bébés, ils n'ont pas qu'à parler, le mensonge, c'est l'argent qu'il a montré, pour les nègres après le mourir, il faut l'exhiber, tout ça, le pas de penser, le pas procéder, il faut montrer quantité l'argent qu'il gagne, eh bien, moun yo qui dans le quartier populaire, dans le quartier côté gagné, l'expédition, ils mettent commencer à acheter d'iPad, parce que prendre courir dans la République. M'a regardé en bas j'aime m'voulais partager ça comme mon commentaire on s'en y fait. Bon par contre si c'est bon non li li le Nastaja Daniel bon, et ça m'a écrit m'a contre si c'est bon non li. Li dit que li est 33 l'année depuis que li en otage dans New York aux États-Unis. Li besoin aller dans pays qui c'est Haïti. Eh bien mais tu m'as dit si c'est bon non. Mon gars qui texte si c'est bon non, moi dis Jean-Léa, c'est pas bon non à qui t'aimes connaît dans notre émission. Il dit que Nastasha Daniel, il y a 33 l'année depuis que le condamné est en otage. Alors, elle dit en otage non, c'est une façon pour dire que comme si il pas qu'à bouger, ça veut dire li a Bible après 33 ans. Qu'est-ce que m'a dit? Après 33 ans, c'est suffit au monde qui est États-Unis et m'a qu'on a qui l'âge que tu es entré. Que l'état de dans l'âge retraite li. Il pas dans le travail dit encore. Ça va dépendre de à qui l'âge que tu es entré aux États-Unis. Si l'entrée de Timoun à 33 ans, pas de problème. Mais si l'entrée à l'âge vingtaine, au moins, il entre dans 4 années, il y a 60 combien d'années, qui à 60 combien d'années, bon, c'est quoi qui est le travail qui va faire encore. Et moun ça, moi certain que li fait un ensemble d'investissements en Haïti. Et t'as bien aimé, je dis, hein, que y entre la Kaili et la Jui. 33 ans que le soit le fait après, ben, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que le fait après, dit, dans 33 ans que le gagne, pour que le capable de voir fond Haïti. Et je dis, hein, bandit prend bien ça, ou bien bandit,
mettez pays en otage et vous faites un pile monde pas calé en Haïti. Et m'de dit ça avant dans émission des Yvenes. Et m'de je n'en pile zami te réagi. Moi te dit que si définitivement nèg yo alors messieurs dames qui passent dans l'état yo et même ça pral vini là yo, yo prend des dispositions pour éradiquer pour yo fini avec ça créer insécurité. M'ba dit pas que ti ka isolé, pas que criminalité non. Volume insécurité qui est là comme si yo mettel à un niveau acceptable. Gade route nou yo fait que investissement infrastructure routière comme si créer conditions pour moun investir dans pays hein, quel que soit le la journée de la nuit, la vie est capable de fonctionner dans la capitale qu'on a ville province. Les moun nan mal la dap ka jeune, quel que soit été l'hôpital public ou l'hôpital privé, moun nan senti li à l'aise et qui a pile haïtien qui Saint-Domingue, qui États-Unis, qui Canada, qui la France, qui Chili, qui Brésil et qui dans le pays encore ou mettre ouem désir y a tourné Haïti. Mais tout autant que c'est comme ça bagarre, m'a dit clairement que haïtien qui en dehors pays qui a rentré, qui a fait un an, qui a fait deux ans, qui est capable de résister et tout. Mais, je pense que si le pays a des mots sur la paix, si le pays a tout service, droit qui existe, qui écrit, dans le moment où le pays, je ne vais pas mentir que y a besoin d'un pile haïtien qui est dans la diaspora, y a rentré à Haïti, il pourra vivre à Haïti. Parce que, en pile, on fait 2, 3, 4 jobs. Qu'on va fatiguer, parce que qu'on va pas en faire, qu'on va pas au beau. Mais tu as besoin après de tirer pour eux, parce que tu te travailles, parce que tu as des gens qui font calcul, qui disent, OK, là, fait 10 ans, 20 ans de travail, kiff, kiff, et bien, reste en sécurité pour le reposer, parce que pour le comme si manger, jouir, ça qu'il t'a planté. Mais je dis, hein, la CAI pas garantie ça. La CAI pas garantie ça. Donc, moi-même, qui parle là, comme jeune garçon, ça m'a désiré venir. Je dis, hein, n'a toujours gommé pour la caille bon. Et c'est là la caille vraiment bon. M'a demandé à ici pour aller investir à Haïti. Et ce que j'aime dire dans la fois dernière, pas décourager dans l'investissement que nous avons fait en Haïti. Et m'a dit non ça. Rassembler, ça ne garde pour nous faire comme investissement à Haïti. Parce que bagaille n'a pas arrêté comme ça et n'a pas prêté comme ça. Et cette fois-ci, c'est pour tout bon. Que c'est à lui dernier mission étrangère qui pour piler le sol de sa ligne. Dernière mission étrangère. Il faut tout que de disposition qui prend pour tout mettre une police professionnelle sous pied avec au moins 20 000, 30 000 jeunes garçons et femmes. Pour tout remettre camper l'armée d'Haïti avec 20 000, 30 000 jeunes garçons et jeunes femmes. Et bien pour nous gagner matériel, pour nous créer conditions et pour payer la sécurité et la paix.